Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour sa déclaration ce matin. À vous. Merci, M. le Président. En cette journée mondiale de l'eau, je tiens à souligner le travail de certaines organisations qui ne ménagent pas leurs efforts pour protéger nos cours d'eau. Il y a Au Secours, notamment, un organisme qui agit comme lanceur d'alerte depuis 20 ans pour protéger l'eau potable au Québec. Il y a aussi les citoyens du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec qui ont déjà convaincu des centaines de municipalités d'adopter une résolution ou un règlement pour protéger les sources d'eau potable d'éventuels projets d'exploitation d'hydrocarbures. Loin d'être en reste, la Fondation Coule pas chez nous, en collaboration avec 24 microbrasseries du Québec, a lancé une bière « Coule pas chez nous » pour sensibiliser la population au risque immense que ferait courir le pipeline Énergie-Est à cette industrie florissante et créatrice de milliers d'emplois au Québec. Comptez sur moi et les miens pour les encourager. Au nom du Québec et de ses générations futures, un merci sincère à ces organisations rassembleuses et combatives. Merci, Mme la députée, de votre déclaration.